Salut tout le monde, votre serviteur Light Tenebris, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. On se retrouve sur Alien Isolation. Alors j'espère que pour vous la soirée a été particulièrement calme et tranquille, parce que là nous allons maintenant devoir recommencer un passage bien captivant, qui est de récupérer un décodeur pour pirater les systèmes, mais aussi surtout, il faut trouver une cellule d'énergie pour ça. Synthonisateur d'accès requis. D'accord, donc je suppose que c'est ce truc-là. Bonjour! Comment allez-vous? J'ai juste que j'ai bien mis le chronomètre en route, c'est bon. Qu'on fasse pas des épisodes non plus beaucoup trop longs. Il faut que je vous épargne. Ah oui, là c'est pour se cacher. Attendez, déjà que je récupère un petit peu mes coups, ok. Est-ce que ça met le jeu en pause? Ah non, ça ne met pas le jeu en pause. Ça met pas le jeu en pause. Ouh, que c'est pas bon. Oh! Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon ami? Ah, je peux fouiller son corps. Pistolet, medikit. Oh yeah, un medikit. Ça, c'est cool. Bon, on va ouvrir ça. Alors, on maintient et on tourne. Ah. J'en profite un petit peu pour vous demander très rapidement. Quel est votre alien préféré? En tout cas, pour ceux qui ont regardé la quadrilogie Alien, ou même, pas forcément tous les aliens, mais au moins deux. Moi, pour ma part, ça a été le 3. Le 3 est mon préféré parce qu'il est hyper psychologique, mais surtout très intéressant d'un point de vue entourage, ambiance. L'alien qui est assez original, même s'il y a des passages où il est quand même très mal fait, on utilisait des images de synthèse, mais il faut dire qu'au début des années 90, ça marchait bien avec Jurassic Park, ça ne marchait pas forcément avec tous les jeux. C'est là justement la petite difficulté. Mais à part ça, le film était vraiment très très bon, je trouvais, avec une brochette d'acteurs en plus fort sympathique. D'autres ont préféré Aliens le Retour. En fait, vous en avez vraiment pour tous les goûts. Si vous voulez un alien qui soit vraiment effrayant, vous regardez le premier. Ce sera vraiment un petit peu à l'instar des Dents de la Mer, on voit pas très bien l'alien, on a du mal à distinguer ce qui se passe. Donc là, pour le coup, vous en aurez pour votre argent. Si par contre, vous préférez un alien plus bourrin, vous avez Aliens le Retour. James Cameron, il sait toujours bien y faire avec les Aliens. Oh, la cafteuse! Ensuite, vous avez donc le numéro 3, qui est très psychologique, parce qu'en fait, ils sont sur une planète où il n'y a pas grand-chose, donc malheureusement pour eux, ils doivent se débrouiller avec les moyens du bord. Et le 4, par contre, pour son côté un petit peu humoristique, mais aussi surtout sa violence. Écoute-moi bien attentivement. Je veux que tu quittes le travail maintenant. Va chercher Claire, prends le chat et rentre à la maison. Il faut qu'on trouve un endroit sûr jusqu'à ce que Sixon envoie un vaisseau. J'ai aperçu le type du hall, je me souviens plus de son nom, celui qui a une casquette de baseball sale et une odeur bizarre. Il avait quelque chose dans son manteau, je crois que c'était un flingue. Il m'a complètement ignoré. Ne parle à personne, ne dis pas où tu vas. Je te rejoindrai dès que possible. Prends le chat. Je pense que c'est un petit clin d'œil à Ellen Ripley, parce que Ellen Ripley n'a pas hésité quand même une seule seconde à faire appel à demander à ses amis, s'il vous plaît, pouvez-vous me retrouver le chat, accéder au reroutage. Alors, système instable, actif. On va faire ça. On dirait que c'est bien. Je pense que ce système-là, en fait, sera surtout fait pour pouvoir un petit peu attirer l'alien, pour le distraire. Alors là, je sais même pas si c'est bonne idée d'aller, puisque la dernière fois, je me souviens, je suis tombé. Oui, je suis désolé, hein, je n'ai pas rejoué depuis hier, donc je suis en train de redécouvrir de nouveau. Je me souviens, il y avait de la Camelot ici. Camelot, Camelot, Camelot. Viens par ici, ma Camelot. Oh, que j'aime ma Camelot. Tu es ma cam. Ma Camelot à moi. Ici c'est le centre de contrôle. Ah oui, je suppose que c'est de là qu'ils vont venir. Ok, donc va falloir les contourner.
Bien, 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 bien. Ah non, 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 on va pas utiliser ça. Ce serait trop bête de gâcher des piles. Je pense que c'est ce côté-là qu'il va falloir aller. Enfin, je crois. Il n'y a rien. Ok, bon, la porte est fermée, il n'y a pas... Ah. Alors... Système instable, ça on va le désactiver. Purification de l'air. Ouais. Allez, système de haut-parleur. Voilà. Oula. Ah! Comme ça, ils auront du mal à me voir. Attendez. D'accord, il faut que j'active d'abord ces trucs-là. Parce que vous voyez, là je suis dans l'ombre, dans le brouillard, ils pourront difficilement me voir. Ah, bah c'est cool ça, il faut que je le fasse aussi avec les autres routeurs. Est-ce qu'il y en a d'autres? Là c'est pareil, vous voyez? Ils auront du mal à me voir et ils vont certainement venir d'abord depuis le haut de la plateforme. C'est bon ça, on va essayer comme ça. Mais déjà là je pense qu'ils auront plus de difficultés pour me repérer. Et ce que je ferai, c'est que je me carapaterai en vitesse ensuite. Alors est-ce qu'on peut aller par là? Question. On peut pas. Bon, faudra que je réfléchisse à un plan de secours pour m'en aller. Ça va pas être facile. Un synthoniseur d'accès. Elle essayait de pirater la sécurité de l'ascenseur. Les circuits ont grillé, c'est du gâteau. Faut juste trouver une nouvelle cellule de données. Voilà. Là, normalement, ils sont pas censés me repérer. Oh ! Je propose qu'on la bute. Non, 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 je ne suis pas en bas. Je suis loin de vous. Ah, zut. Ah, est-ce que je peux aller par là ? J'ai pas l'impression, non. Alors, on va attendre, se mettre en position de... Hop là, je regarde. Je sais pas du tout où ils sont, donc là c'est le gros problème. Je sais pas où est-ce qu'ils sont partis. Oh merde. Ah, zut, il vient derrière moi. Et l'autre il est toujours là? Non, il est parti. Ah, je peux pas aller par là. C'est un petit peu la merde. Je suis dans le caca. Aïe, 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 je sais pas. Ah, il y en a un qui vient par là. On va falloir que je me casse au plus vite. Parce que là, malheureusement, je suis pas à l'abri. Oh là là. Je sais pas où il va aller, mais... Je pense vraiment qu'on devrait rassembler plus de provisions. Des flingues, de la bouffe, tout ce qu'on peut trouver. Ok. Je m'en vais. Je m'en vais, je ne reste point là. Normalement la porte doit s'ouvrir, oui! C'est bon. Ah, il fallait complètement les contourner. Je suis trop fier de moi. Je vais rester un petit peu accroupi parce que... On ne sait jamais. Un incident est vite arrivé. Ouais, la belle station. Bon, je pense que c'est bon normalement. Ils sont pas censés venir par ici. Hein. Enfin, je crois. J'espère. En fait, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je crois qu'elle est partie en bas. On va jeter un œil. Oh putain. Tu rêves ? Hors de question que j'aille par là. Elle a pris ton outil de piratage. Il marche pas. On va trouver un autre chemin. Ça fait trop longtemps qu'on... Ah, pas question que j'aille là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un truc pas très cool qui traîne dans les parages? Oh la vache! Mmh.
mère de deux bisons. Oh. Sympa le flingue, sympa. Quelque chose qui est parti par là-bas, ça me dit rien de bon. Attendez, on va mettre un petit coup de sauvegarde là. Mettons-nous à l'abri. C'est bon, y'a personne qui va m'attaquer? Je sauvegarde, laissez-moi tranquille. Allez hop, on met un petit coup de sauvegarde. Ok, bon, je peux pas y aller de toute façon, donc c'est réglé. Juste une chose, attendez, est-ce que je peux ramasser le flingue? Fumigène revolver, de toute façon j'ai pas beaucoup de balles en fait. Où est-ce que je suis là en fait? Je sais même plus. Ah oui, c'est par là. Ici tout est fermé. C'est fermé. C'est... Ah, c'est ça qui m'a fait peur. D'accord. Ah, j'ai tellement eu la trouille. Ah, d'accord, c'est pour contourner par ici. D'accord, 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 d'accord. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Youhou! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, il faudra le décodeur, d'accord. Bon, je sais pas du tout où est-ce qu'il faut aller pour le récupérer. Je pense qu'il va falloir descendre encore plus bas. J'ai pas l'impression que mon ami a décidé de venir me voir, donc on va continuer, hein, tranquillement. Ah, oui, non, c'est bon. C'est juste le sas. Attendez une minute. Où est-ce que ça va me conduire, ça? Oh! Ah, bah c'est intéressant, j'ai bien fait d'y aller, finalement. Alors, pistolet seringue, fumigène. Oh, un fumigène. J'adore les fumigènes, je ne m'en lasse pas. Ok, on va dire que c'est bon. On va descendre. Un petit cran en dessous. Bon, malheureusement, l'alien, on l'a vu maintenant. Enfin, on l'a entreaperçu, donc... malheureusement, je pense que notre tour est bientôt arrivé, là. Ouais, mais bon, ce serait bien quand même de trouver une cellule ou je sais pas quoi. Alors ici, il n'y a rien. Ne me dites pas qu'il va falloir que je retourne là-bas. Non, je ne veux pas retourner là-bas. J'ai pas envie de croiser l'alien. Non, mais comme je vous le dis, autant la quadrilogie alien ne me fait pas peur du tout. Mais autant, par contre, déjà être une espèce d'acteur dans ce jeu, déjà ça crée un stress en plus pour moi. Parce que je vous l'ai dit, pour moi, même le plus dangereux des psychopathes dans notre pays, c'est un enfant de cœur à côté d'un alien. Parce que... Oh. Ah non, c'est ça. Peut-être que c'est par ici qu'il y a justement l'objet qui m'intéresse. Carte magnétique. Puissance faible. Je ne sais pas du tout où je dois aller. Là, c'est pour se planquer. Que vamos ça, c'est... Je ne sais pas. Il n'y a pas de... Ouais, non, je ne peux aller nulle part. Hein. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce Beans? Oui, ma cellule d'énergie. Ah, il est hors de question que je retourne là-bas, moi. Actualiser la carte. Ah, bah c'est bien, ça. Alors, où est-ce qu'on est? Trouver la cellule de données dans l'assistance technique. Ne me dites pas qu'il va falloir que je retourne sur mes pas, là. Oh, oh, oh. Bon, bah, tant pis, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop le choix, là. Il va falloir y retourner. Personne, c'est bon. Peut-être qu'ils ont tous parti, hein, peut-être qu'ils ont abandonné les recherches. Peut-être qu'ils se sont dit, bon, elle est pas là. Hein. Arrêtons cette mascarade. Allons voir ailleurs. Donc c'est bien là que je dois aller. Trouver une cellule dans l'assistance technique. Attendez, attendez, attendez. C'est de là que je viens.
Salle d'attente, système Logan. Vers Sixon Communication. Non, non, c'est la salle d'attente là. Système Lorenz. C'est de là que je viens. Attendez, je comprends pas. Je vais y retourner en bas là. Est-ce que c'est là que je dois aller? J'ai pas l'impression. Alors peut-être que c'est l'étage du dessus. Là pour le coup la carte je la trouve pas très claire. Les escaliers, boum boum boum. Hop, j'actualise la carte, c'est encore mieux. Archive des travaux de Sébastopol. Bah si, c'est là que je dois aller, regardez. Alors là, les enfants, je m'y comprends plus rien. Là, la carte, elle est en train de me troller. Là, je ne comprends absolument plus rien à ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il faut qu'on aille par là. Oui, oui, c'est là. On doit aller par là. Ah, je suppose qu'il va falloir utiliser une bouche d'aération. Il y en a une là, mais elle m'a amené là où je ne voulais pas. Je pense qu'il va falloir prendre celle-ci. Hello. Je ne vois rien. Bah non, ça me reconduit en arrière. Bonjour la discrétion. Mais non, 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 ça me conduit là où je veux pas, moi. C'est pas du tout là que je veux aller. Ah, qu'est-ce que t'es... Attendez, détecteur. Ah non, inventaire plein. Charisse. Bah dans ces cas-là, est-ce que je peux pas fabriquer quelque chose? Medikit. LB pour fabriquer. Et bon, on va fabriquer un petit Medikit. Est-ce que j'ai suffisamment? Oui. Hop. Et on appuie sur LB pour fabriquer. Yeah. Voilà. Comme ça, je me fais un maximum de Medikit. Mais c'est, mon inventaire est quand même plein. Bon. Tant pis, tant pis, tant pis. Ouais, mais là, ça va me reconduire de nouveau en arrière, là. Je peux pas aller par là. Attendez, il y a forcément un moyen d'accéder dans la pièce d'à côté. Porte fermée, tout est fermé, et là je peux rien ouvrir. Bon, en attendant que je cherche, j'en profite pour égayer un petit peu la conversation en vous parlant de l'Alien en lui-même. Parce que je pense que certains ne connaissent pas très bien la saga Alien, donc je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le cycle de vie de l'Alien. Alors ça commence d'abord par un œuf. Et dans cet œuf, vous avez une espèce de créature arachnoïde qui ressemble à une arachnoïde avec une longue queue qui s'en sert autour de votre cou. Et une fois qu'il s'agrippe à votre visage, il vous plonge dans le coma en introduisant son appendice à l'intérieur de votre gorge. Ainsi, il vous insémine avec un œuf, et dans cet œuf va justement naître l'alien, qui est à l'état de larve, et qui va ensuite arriver à maturité. Mais c'est plus ou moins rapide, en fait, ça dépend un petit peu du type d'alien, je pense, mais ça peut être quelques minutes, ou alors quelques heures, voire plusieurs jours. C'est vraiment variable. Coucou. Et ensuite, utiliser la carte magnétique. Ah bah voilà. Et une fois qu'il arrive à maturité, donc il sort de votre corps en vous perforant la cage thoracique, hein, c'est une mort immédiate. Et ensuite, en sort un petit alien qui fait environ 50 cm de long, qui est une toute petite larve, inoffensive, elle est obligée de se barrer en vitesse et de se cacher quelque part. Mais elle se transforme très rapidement en adulte, et là vous passez d'un truc de 50 cm à quelque chose qui fait à peu près 2 mètres de haut et 3 mètres de long, et qui est extrêmement meurtrier. Ah bah tiens, bonjour monsieur! Vous allez bien? Alors on peut aller par là. Je vais d'abord faire un petit peu le tour parce que là, Sébastopol, archive de travail. Ça m'intéresse pas trop. J'ai envie d'abord d'aller faire un petit tour par ici. Niveau de sécurité trop élevé. Oh bon sang. Ce que c'est, mais bon. Qu'est-ce que c'est ça? Pistolet seringue. Ok.
Schéma de grenade aveuglante. Ah, c'est bien ça. Je vais mettre à l'abri et je vais faire une petite grenade. Grenade aveuglante LB. Ouais. On a fabriqué une petite grenade aveuglante. Ça, ça me sera utile à mon avis quand il y aura des ennemis. Niveau de sécurité trop élevé. Bon. C'est pas grave. On va se planquer. Attendez, je pouvais récupérer. Bombe fumigène. Bah décidément. C'est la fête. Qu'est-ce qu'on a là? Munition de revolver, Camelot. Est-ce que je peux faire un truc de fumigène? Ça pourra me sauver, je pense. Allez, fabriquons un fumigène. Oh yeah! On a fabriqué un fumigène, très bien. Par contre, qu'est-ce que j'ai moi? On va prendre le fumigène. Oh bon sang! La boîte noire! Et ben voilà! Hésite. Wow. Qu'est-ce qui se passe? What is it? What is it? Des trucs au fur et à mesure, donc on va le faire. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? Ramasser la cible de données. Et ben voilà. C'est nickel. Objectif mise à jour. On va déconnecter ça. Alors, comment ça fonctionne? Aucun signal. Synchroniser les accès au système avec LS et RV pour rentrer le code qui apparaît. D'accord. Alors, attendez. Comment ça fonctionne? Avec L... Comment ça fonctionne? Ah, d'accord. Ah! Attendez, mais comment je fais après? Il faut que je fasse quoi? Ah oui, d'accord, ok. D'accord, ok. Je suis pas très bien calé là-dedans. Hop. Hop là. Ah oui, pas évident. Cool. Ok, bon, on va pouvoir s'en aller. Attendez, j'aimerais bien aller vers là. Allez. Tac. Ah, j'ai trouvé. Alors, où est-ce qu'on va? On va prendre ça. Et on va prendre ça. C'est bon, ça. C'est marrant, c'est original, le système. Par contre, je sens que ça va être hyper stressant. Ça va être juste hyper stressant. Ok. Ah, j'ai une autre carte magnétique. Ça, c'est cool, ça. Loge privée à l'intention du Marshal Waits. Ici, chief porteur de l'assistance technique. Écoutez, il n'y a que dalle dans cette boîte noire, Waits. Je sais pas combien d'accords de confidentialité d'entreprise on a bafoué pour en arriver là. À part le logo de la Wayland Yutani et un affichage vide, yet. D'un autre côté, ces trucs-là sont faits pour durer. Alors souhaite personne à bord du Nostromo a fait en sorte que la mémoire de leur unité centrale maman les fasse du système, ou pour X raisons, les données ont été corrompues avant d'arriver ici. Je peux savoir en quoi c'était une tâche prioritaire? D'accord, donc on nous a menti pendant tout ce temps-là. Il n'y a jamais eu de boîte noire. Eh ben. Merci, c'est vraiment très cool. Bon.
Et ben on va pouvoir rentrer tranquillement. Oh là là, cette bande son là, Accès autorisé. Alors, nous allons mettre un petit coup de sauvegarde quand même. Hein, j'ai... Y'a personne, c'est bon. Ok, c'est bon, on est bon. Bon, la pote, il arrive sauvegarder, donc si jamais il arrive un pépin, bah on est tranquille. Ah d'accord, c'est verrouillé, ok. Désactiver le verrou, d'accord. Et comment fait-on? Ah bah je suppose qu'il faut aller par là. Ouais, c'est ça. Il faut aller par là. Bon, et bah allons-y, c'est parti. Déverrouillons. Alors, ok. Alors, tac, tac, et tac. Go! J'espère qu'il n'y aura pas trop de systèmes au fur et à mesure du jeu, parce que là, pour l'instant, il y en a 3. Mais ce que j'espère, c'est qu'il n'y en aura pas trop après. Ah bah attendez, on va d'abord lire... On va d'abord accéder au terminal. Alors... Chief, la bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà archivé 80% du système de courrier interne de Sébastopol pour la décommission. Il a été déconnecté d'Apollo, mais j'ai laissé en place le système de messagerie basique pour les gens qu'il reste. La mauvaise nouvelle est que le branquignol qu'il a installé en premier lieu a lésiné sur le matériel informatique et on a eu des fuites. J'ai mis Mike Tanaka sur le coup, c'est un archiviste spécialiste qu'on a appelé, il a l'air de toucher sa bille. J'ai pensé bon de tenir au courant en attendant. Franco. Terminé. Audio. Il n'y a pas d'utilitaire. Ok. Bon, on va faire un petit tour rapide, voir s'il n'y a pas des choses intéressantes. Ok. Ok. Désactiver, d'accord. Attendez. Je me dis que ça pourra toujours être utile, alors on va d'abord enlever ça. Si ça se trouve, je devrais peut-être me tailler en vitesse, donc on va désactiver ça tout de suite. Voilà. Ok, bah ça c'est good. Ça c'est good. Est-ce qu'il y a d'autres trucs intéressants? Parce que bizarrement, je sens que quand je vais désactiver le système, c'est là qu'il va se passer un truc. Hein. En tant que joueur vétéran d'Amnesia, je sais qu'il se passe toujours un truc dès qu'on active quelque chose. On y va? Allez, on y va les enfants. Paniqué là? C'est moi où j'entends la bestiole, je sais pas où elle est. On va essayer de prendre directement ça. Allez, on sauve, on sauve, on sauve. Dépêche-toi de rentrer, ma belle. Sauve-toi. Ok, c'est bon. Oh putain.
Oh. Il me faudrait un point de sauvegarde, par contre, s'il vous plaît. Oh là 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 là, je sais pas où il est, je sais pas où il est. Et je le sens très mal. Très mal, pour le coup. Oh merde, j'espère qu'il va pas arriver à ce moment-là, le monstre. Ah. Ok, alors, c'est quoi, c'est... Non, c'est ça, c'est pas l'inverse. Ah, c'est là. Hop, hop, et hop, on se sauve. Vite, ouvre-toi. Ouvre-toi. La vitesse à laquelle il se déplace. Oh la vache, je suis mort s'il me voit. C'est moi où il est monté? Faut que je redescende, hein. Putain! Pour le coup, l'entrée en scène de l'alien, elle est réussie. Oh là là. Où est-ce qu'il est? Oh là là. What? Oh putain, j'ai cru que c'était lui. Ouais, je suis dans la merde là. Je suis dans la mouise là. Et la musique, il n'arrange vraiment pas les choses, hein. Ok, bon bah. Allez, on va utiliser synchronisateur. Par contre, il faut pas trop traîner, je pense, à mon avis. Ah, tac, 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 hop, hop. On se sauve, mon ami, on se sauve. Allez, vite, 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 active, 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 active. On se sauve. On se sauve. Je sens que je vais vraiment stresser, mais tout le long du jeu, là, maintenant. Vous avez dû me voir avec la bouche ouverte comme ça, là. Ah oui, c'est pas rigolo du tout. Hein. L'alien, il n'est pas là pour plaisanter. Hein. Enfin... Bon, par contre, les armes à feu ne lui font rien. Aux dernières nouvelles, j'ai pas souvenir qu'un alien s'est fait en métal. Hein. Enfin... Donc ça m'étonne que les balles ne lui fassent rien. C'est pas grave. Oh bon sang, le stress. Mon objectif sera de mourir le moins souvent contre lui, mais à mon avis, étant donné sa rapidité, je sens que je vais me faire avoir, mais plus d'une fois. C'est l'horreur. Bah c'est pas grave, c'est ça qui est marrant, après tout. On est là pour s'amuser. On est là pour s'amuser à mourir. Par contre, les chargements sont un petit peu longués, c'est dommage. Ah, ça y est. On actualise. Je vais juste faire un petit coup de sauvegarde et puis après, moi, je pense que je vais vous laisser ici. Alors, sauvegarde, sauvegarde, sauvegarde. Quelqu'un va vous recevoir très rapidement. Ah, c'est gentil. Oh, mais moi, j'attends personne, hein. Est-ce qu'il n'y a pas un point de sauvegarde, là? Rétablir le courant. D'accord. Sans doute qu'on va avoir une explication sur la présence de l'alien ici. Je pense.
Il n'y a pas un petit point de sauvegarde là quelque part? Sondeur ionique. Ah, soudeur ionique, pourquoi est-ce que j'ai... J'ai besoin de votre aide. Veuillez vous asseoir. Quelqu'un va vous recevoir très rapidement. Pas étonnant que Sixon soit en perte de vitesse. Merci pour votre aide, mon ami. Oh, c'est pas grave, je vais mettre start là comme ça et puis on essaiera de trouver un petit point de sauvegarde. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu les enfants, ça y est, on a enfin rencontré la bête là, pour le meilleur et pour le pire. Alors j'espère que vous serez toujours avec moi pour la suite des aventures, alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.